Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve dans un contrat Hitman qui s'appelle The Scandinavian. On a 4 cibles à éliminer avec aucune contrainte d'assassinat ni de déguisement. Ça se passe à Marrakech. J'arrive infiltré en tant que concierge. J'ai caché juste à côté de moi un brouilleur à usage unique au cas où. Dans mon inventaire, j'ai la corde à piano, le silver bowler. Donc là, je viens de récupérer le brouilleur. Et la seringue mo moderne mortelle. Donc ça, ce sera pour le petit bonhomme que voici. Donc, on va commencer à attirer un petit conneau. On va le neutraliser, le cacher dans la caisse. Voilà. Là, on va prendre la clé anglaise, ça peut servir. Je vais prendre le déguisement ici. Ok. Ouais, mais en même temps, lui. Alors attends, il me connaît. Je vais peut-être attendre qu'il remonte. Ouais. Hey, what's up? Ça va. Et tu veux pas monter là-haut? Ah si, si, bah voilà. Alors l'autre il arrive pas en même temps. Tiens donc. Ah si. Si comme par hasard, ouais, et puis t'as un petit temps de retard en plus. Donc là c'est bon, maintenant qu'il est passé l'autre, bon on a pas grand chose à craindre. On va le cacher là, avec son copain. Ouais, ok. Donc là on va faire... là je vais reprendre le costume d'agent de sécurité. On va redescendre. S'occuper de notre première victime. Parce que là, ça va, mec? Donc ça c'est bon. Maintenant.
pour essayer de faire un truc. Ah ben j'ai pas de pièces. Ah, j'ai pas de pièces. Alors, je peux pas, c'est trop serré pour le neutraliser lui. Dépêche-toi. Voilà, c'était juste hein, quand même, mais c'était juste, mais au moins c'est fait parce que lui, franchement, il nous emmerde pas mal. Hein. Tiens, on va prendre ça. Mais il y en a combien de couteaux ici là? Ah, j'ai cru qu'il s'asseyait. Et voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant regarde, il reste lui et lui là-haut. Bien. Bien, bien, bien. Ouais, ça va mec. Ça va bien. Voilà, lui, je le neutralise. On va dire par précaution, surtout. Voilà. Et c'est vrai que ouais, je sais pas, c'est peut-être pas utile, mais il y a des pièces de monnaie à côté d'une voiture. Voilà. 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 Mais lui, par contre, on va peut-être quand même plus le mettre dans cet escalier-là, parce que les mecs de l'autre côté de la porte, ils ont quand même vu sur... Là, c'est bon, il n'y a personne qui passera là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon déguisement du coup? D'homme de ménage. Il doit être ici. Ah oui. Donc, je pense que je vais aller m'occuper du vieux monsieur maintenant. Et je pense qu'en même temps, on va aller prendre la clé d'une voiture pour sortir. Donc ça c'est bon. Hop, on s'en va.
Il n'y a plus qu'à attendre le dernier qui se trouve alors Manuel, où est-ce que t'es, Manuel? Ah, il y a lui qui peut nous repérer, attention. Retrouver, ouais, mais c'est pas gênant, c'est considéré comme un accident. Est-ce que je peux mettre une pièce là ou pas? Et voilà, un peu plus il lui tombait sur la gueule. Et c'est bon, j'ai plus qu'à sortir de là tranquillement. Tranquillos. On va même reprendre d'armes pour faire genre je suis soldat. Et voilà, c'est super sympa. Petit contrat bien sympa, il faut quand même faire attention à des petites choses. Le consulat est quand même bien gardé. Et voilà, je pars dans une belle petite voiture. Jolie voiture. 164 000, bonus de temps 10 minutes. Impeccable, 5 étoiles, assassin silencieux. Voilà, on a rempli toutes les conditions du contrat. Ça s'est relativement bien passé. Donc après, vous avez la possibilité pour le... Pardon, pour Marcus de pouvoir aussi l'empoisonner, mettre un poison dans son verre. Donc après on peut très bien mettre un poison vomitif et puis aller le noyer dans les toilettes. Enfin après je sais plus s'il y a des toilettes, des toilettes à proximité, mais ouais, je pense qu'il fera le chemin quand même pour aller là-bas. Ou un poison mortel, mais qui va boire lui-même quoi. Par contre, faut faire attention à la fille qui est à côté dans le bureau. Ce qu'on n'a pas vu, parce que j'ai été assez rapide, on n'a pas vu des allées et venues de d'hommes et de femmes qui passent justement dans le bureau. Faut faire attention à ça. Voilà, donc ça je vous le dis quand même, hein, parce que c'est quand même pas simple, hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et merci. Allez, ciao.